Salut tout le monde, c'est Camille pour le 12e épisode d'Assassin's Creed 3. J'ai le cheval qui est avec moi depuis tout à l'heure parce que j'étais en train de me servir à boire. Et j'entends. J'entends ça depuis tout à l'heure. Ça fait 2 minutes que j'entends ça, ça commençait à être chiant. Ça ne veut rien dire. Donc la dernière fois on a eu un petit bug, c'était un bug de chargement, je sais pas, parce que j'ai relancé le jeu, tout s'est très bien passé. Et je me suis retrouvé là, bon. Et on va attaquer sur la mission. Bonjour. Lance la mission. Ah, il est 16h16. Bonjour. Bonjour à toi. Tu pars en voyage? Il est grand temps que je m'occupe de cette maison. Et tu vas m'y aider. Allez, grimpe. Ah, cool. On va la... Ça sera notre domaine, non? On va l'améliorer. J'arrive pas à m'installer, je suis désolé. Je vais peut-être faire du bruit de chaise à chaque fois, mais... Ici, il est chaud. Pardon. Allez, viens. Bon bah je la fixe pas alors. Cet endroit est fantastique. Tous ces gens, ces sons, ces odeurs. Je pourrais marcher dans ces rues pendant des jours sans en découvrir toutes les merveilles. J'ai ressenti la même chose que toi autrefois. Mais ces temps-ci, je préfère le calme de la campagne. Mais il y a tellement de vie ici. Tellement de possibilités. Ah bah, ça change de contribuer. Pas pour tout le monde, garçon. Pas pour tout le monde. De ta réserve. Tiens, réserve, c'est le mot que je cherchais depuis un moment, je crois. Depuis beaucoup de tes épisodes. Il y a une boutique, loin d'ici. Achète ce qui se trouve sur cette liste. Dis-leur où est le chariot et assure-toi qu'ils le chargent. Tu as compris ? Oui. Bien. Nous allons devoir te trouver un autre nom. Tu as la peau assez claire pour qu'on s'imagine que tu as du sang espagnol ou italien. Mieux vaut passer pour un espagnol que pour un indien. Et tout vaut mieux que noir comme moi. Ce n'est pas vrai. Il arrive que la réalité et la vérité soient bien différentes. Oui, oui. Comment veux-tu m'appeler alors ? Connor. Ah! Oui, tel sera ton. Putain, c'est pour ça que j'appelais Connor l'autre là depuis. Allez, le début. Allez, va. Fais ce que je t'ai dit. Bon, bah, j'y vais alors. On va visiter le magasin général pour Achille. Ça m'énerve les messages système reçus. Wow. L'acte des commissaires des douanes. Oh, le chancelier Townsend doit être fier d'avoir réussi à faire passer ces larcins. Ah, d'accord. Yo. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est le pigeon. Ah non, c'est la feuille. Ah, d'accord, ok. Alors, le temps que je comprenne ce qui se passe. Bon, on va faire la mission quand même. Ouais bah ça c'était con par contre. Sauter sur le mur. Tu es perdu. Un peu quand même, ouais. Il me faut les articles de cette liste. Vas-tu me payer en argent ou en nature ? J'ai certaines de ces choses, mais pas toutes. Je peine à trouver du bois depuis que mon fournisseur a disparu. Ah. Mais j'ai les outils et le bray. Les clous aussi. Où veux-tu que je te les livre ? Notre chariot est près du Parlement. Où ça ? Il est
est temps de retrouver Asile. Qui représente Boston au Parlement ? Tout le monde avec nous. C'est quoi ce délire ? C'est moi, Asile. Que s'est-il passé ? J'ai bien l'intention de le découvrir. Suis-moi. Merde. Je peux y partir. Il faut passer à l'action. Oui, il y a la révolution en fait. C'est dingue ici. Alors je suis désolé, je suis pas au taquet, je me suis levé il y a pas longtemps. Je vous dis de vous disperser. Ah, c'est toi. Les rassemblements de la sorte sont interdits. On ne bouge pas d'ici, Vermin. Ouais. Et si t'allais te disperser en Angleterre, ce tumulte n'amènera rien de bon. Rentrez chez vous et tout sera pardonné. Jamais. Pas avant que vous soyez châtiés pour vos crimes. On n'a pas peur de vous. Moins que des armes sur des citoyens. On bougera pas d'ici. Là. Est-ce que c'est mon père ? Oui, il est venu jeter de l'huile sur le feu. Tu dois suivre son complice. Cette foule est prête à exploser. On ne peut pas le laisser faire. Mais... Et tais-toi. Fais ce que je te dis. Alors, espèce de petit poltron, tu vas me tirer dessus. Hé, hey, Lombard, vas-y, cherche pas ton bousquet. Pour l'instant, il ne grille pas. On est bien. Hé, hey, toi là-bas, c'est quoi tout ce tapage ? Il y a le feu à la mairie. D'accord. Je vais mettre dans un groupe là ? Attention. Ah oui, je l'entendais pas alors. J'ai perdu une classe. Bon, pour l'instant ça va, on va le suivre d'en bas. Je préfère que me mettre sur les toits, parce que sur les toits on est un peu plus en danger, on va dire. Un peu plus en danger. On peut se faire griller. Tu vois, mec, hein, ouais. Oh, allez. Ton plan a échoué. Loin de là. Allez, au diable ! Tirez ! Oh. Échappez-vous dans le temps imparti. Très bien. Normalement, c'est largement suffisant. Hop là. Esquive, triple esquive. On est sorti de la zone déjà. Et. D'accord, je voulais me cacher là-dedans, mais je ne peux pas le pouvoir. Oh non, j'ai pas vraiment. Hello, c'est parfait. On peut venir dans l'eau. Il reste 20 secondes. Ah, 20 secondes. Allez, sors de cette putain de zone de nage. Où est passé Achille ? Voilà, voilà.
Toi, là-bas. Hé, hey, du calme. Je viens t'aider. Qui es-tu? Un simple messager. Monsieur Adams veut te parler. Quoi? Pourquoi? Tu lui poseras toi-même la question. Il te donne rendez-vous ce soir près de Fanoy Hall. Un conseil, fais-toi oublier d'ici là. Ok. Et ben on va aller voir ça. Il m'a suivi comment? En fait, j'ai pas compris si le principe qu'il m'a suivi ou si c'est trouvé là par hasard ou. Bon, je pense que. Oh oui, putain, c'est vrai. Roland. Pardon. Roland. Arrêtez la route. Vous avez vu sauter ou pas? Non, trop bon. Sans déconner. Bon. Et vas-y, fais ça alors, hein, c'est pas grave. Voilà. Ah, vous me saoulez, merde. De port. Ah bah en plus je suis arrivé sur zone, c'est parfait. Tu es le gamin d'Achille. Connor, c'est ça? J'ai vu ce qui s'est passé à la mairie. Une belle pagaille. Qui êtes-vous? Samuel Adams, à ton service. Achille m'a demandé de te faire sortir de Boston. Pourquoi? Toute la ville est à ta recherche. Oyez! Oyez! Un criminel rôde par ici. On le recherche pour ses crimes lors du massacre de la mairie. Tout citoyen a le devoir de prévenir les gardes dès qu'il le voit. Qui livre, à qui livrera ce fou? Qu'est-ce à que la justice faire? Commence bien, c'est à peine arrivé dans la ville, je suis déjà recherché. Tu peux commencer par arracher ces affiches. Reviens me voir quand tu les auras toutes enlevées. Ben c'est vrai. On ne doit pas nous voir ensemble tant qu'il restera des affiches. Bon. Voilà, ça c'est parce que c'est gratuit. Et... Il ne me sèmera pas. Putain. Ah, j'ai pas eu le temps. Par contre, je vais être en galère avec l'autre là. C'est quoi ce délire? Donc là, j'ai 3 étoiles. Je sais pas, 3 croix. Ça veut dire que je suis recherché à 3. On va voir ça. Bon, là, j'en ai un vraiment qui est au pied sur moi quoi. Tu veux pas aller ailleurs? Je vais essayer de siffler, mais on peut pas siffler. Pour la pâtée, tu sais. Cercueil est prêt, je le vois. Oui, bon, on va y aller à l'ancienne. Pas très doué. Ah d'accord, lui, il est fermé.
joli. On va y aller en vélocité là. Oh! On va faire un peu. Là, il me voit pas. Putain, relou ce truc là. J'ai un arc, ça me suffit déjà. J'ai juste trois flèches par contre. Ça pas bien. Je vais récupérer un peu de thunes parce que bon, on veut pas. J'aime bien mon tomahawk, ma hache et ma hache. Bonjour. T'inquiète. C'est non, bravo. Oh, bah, je suis passé. T'es qui, toi? Je vais arracher la deuxième. Puis... Qui est plus? Merci. Bon, il y a un moment où on va arrêter les frais, quoi. On va arrêter de se faire prendre pour des jambons. Là, on va commencer à tuer des gens. Normalement, on est dans la réserve. On n'est pas comme ça, tu vois. On est plus gentil. Donc là, normalement... là, il va me dire merci, là. Merci. Je crois qu'il me dise merci. Ah, Connor. Te voilà enfin. J'aimerais te présenter Cyrus. Qu'est-ce que... C'est le tueur. Du calme. Cyrus est avec nous. Ou plutôt, il le sera si on le paie assez. Avez-vous vu cet homme? Observe et apprends. Oyez! Oyez! On vient d'apprendre que le responsable de la fusillade portait probablement un déguisement. Une perruque et un pot de phare ont été retrouvés non loin du lieu du crime. Des témoins ont vu un homme à la peau claire fuir en direction des quais, un mousquet à la main. Merci beaucoup, Cyrus. De rien. Bien, suis-moi. Il nous reste une dernière chose à faire. On se doit, c'est nickel. Où allons-nous? À l'imprimerie. D'où crois-tu que sortent toutes ces affiches? C'est une machine qui les fabrique. Et nous allons l'arrêter. Ok, donc tu me suis ou pas? On va aller à l'imprimerie, je sais pas si tu me suis. Bon, bah en tout cas, moi j'y vais. Tu me suis si tu veux. Je suis incognito, c'est pas mal. Trop tard. Ils ont formé un barrage. Tant pis, suis-moi. Je peux passer par les toits et te retrouver là-bas? Non. Je préfère t'apprendre à utiliser les tunnels. Les tunnels? Les maçons ont creusé tout un réseau sous la ville. C'est très pratique pour se déplacer vite en toute discrétion. Alors. Les tunnels, ils sont où les tunnels? C'est quand même pas. De toute façon, je suis incognito, on s'en fout. Hein. Il dégarde pas, je suis incognito. Oh putain, ça arrive déjà.
Ah bah c'est là. C'est pas ça? Ouvre la porte si j'étais. Je voulais pas le bouton interagir. Allez, ouvre! Allez, ouvre putain de cette porte! Je peux pas, d'accord, mission. Je les ai pas en même temps. Bon. Alors, il nous a dit. Il est maçon, je sais pas, là, j'ai pas compris où il fallait aller en fait. Passer par différents endroits, mais ça a pas l'air. Oh, triple esquive de gamin. Bon, allez, je vais te passer 8 jours. Reviens par terre, et vite! Tu ferais bien de descendre sur le champ. Je te conseille de descendre de là. Ouais, je vais descendre. Le mec il passe mais serein dans les... Normal. Bien, nous y... Ah, j'ai même pas regardé si j'avais réussi. Mission accomplie. Eh ben voilà, on est pas mal. Ben on va voir ça pour le prochain épisode, hein, je pense. Hein, ça va être pas mal. Allez, ciao tout le monde!